Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le tout premier épisode de mon Let's Play sur l'acte 2 de Age of Empire 3, complète collection. Eh ben, la dernière fois on avait fini, la saison précédente, c'était il y a un bout de temps quand même, on avait fini l'acte 1, et ben du coup on va faire l'acte 2. Allons-y. Eh ben on est parti. Bon, à prendre en moyen parce qu'en difficile j'ai essayé, c'est quand même, il y a quand même un passage qui est absolument hardcore en difficile, donc on va peut-être faire ça en moyen. Mais ce que je vous propose, on y va. Donc je vous invite à regarder la saison précédente, hein, histoire de vous remettre un peu dans le bain si vous avez envie. C'est l'histoire de la famille Blake, je crois. Donc il leur arrive des couilles à propos d'une fontaine de jouvence, etc. Donc là, au milieu du XVIIIe siècle, le Nouveau Monde comptait de nombreuses colonies prospères, mais les conflits en Europe ne tardèrent pas à éclater dans les Amériques. Ok. On dit que le petit-fils de Morgan, John Black, avait bien plus d'ennemis que d'amis. Quoi qu'il en soit, il était toujours accompagné de Kanyenke, son ami Mohawk, même s'ils furent animés d'une rivalité amicale. Trop lent, John Black. Vous êtes moins rapide qu'avant. Et votre vue faiblit. Votre flèche a manqué sa cible. C'est moi qui l'ai descendu. Plus que quelques kilomètres avant Brunswick. On a marché bien longtemps. Vous méritez tous un bon repas chaud. Ok. Donc j'espère que ça c'est fort. C'est une perte de temps. Votre oncle voit une ombre dans la forêt et crie à l'aide. Stuart ne vaut pas mon grand-père Morgan comme commandeur. Mais s'il dit que la colonie est en danger, je le crois. Pourquoi les Cherokees attaqueraient ? Brunswick est loin de chez eux. Qui sait? Les colons ne peuvent pas prendre de risques. Et tant qu'ils nous paient, leurs intérêts sont les miens. Ok, mercenaire, quoi. John! Oh Dieu merci, vous êtes là! Que s'est-il passé? Où est la garnison? Il ne reste plus que ces hommes. Les autres sont tous morts, et les Cherokees ont emmené la plupart des survivants. Il y a une autre bataille. À moins de 2 kilomètres. Je les entends. Consolidez les défenses et ouvrez l'arsenal. Tous les colons capables de tenir un mousquet sur les murs. Ok, bon, bah ça commence fort. Je sens bien l'attaque, là. Ça va être très drôle. Défendre la colonie. Ça joue bien, hein. Nouvelle vague de Cherokees en vue. Go! Prenez des fusils et défendez les murs. Bon, alors là j'ai un canon. Voilà, il y a moyen que ça aille plutôt vite. Voilà. Voilà. Je ne comprends pas. Les Cherokees ont toujours été des voisins pacifiques. Donc là on est bon. C'est incompréhensible. On va essayer de réparer un petit peu tout ça. Préparez les défenses. Tenons les Cherokees à distance jusqu'à l'arrivée des renforts. Ok, bon, bah il faut se défendre pendant 15 minutes. Et bah allons-y. Et bah on va en faire... des colons. Il nous faut des ressources pour défendre cette colonie. C'est pas con, on va faire des colons. On va faire des colons. Il me faut de l'or. Des bâtiments. Toi t'es un belliciste le terrain. On va essayer de vous séparer un peu. Ok. Attends, on va te décaler. Alors, est-ce que j'ai une garnison? Non, j'ai pas de garnison. Enfin de. Voilà, ça qu'il me faut. Une caserne. Alors, un chargement, qu'est-ce que je peux envoyer? Envoyer des mousquetaires, il me faut des unités de toute façon. Alors, toi tu fous rien. Bah, tu as travaillé. Faire une écurie. Les Cherokees attaquent le village. Aidons-les. Ok, d'accord, empêchez cette... 500 de bonus d'expérience, est-ce qu'on le fait? Peut-être pas, hein, quand même. Là, on est un peu occupé.
Aidez-nous! Plus ils sont beaucoup quand même. Je vais peut-être envoyer. Ouais, non, ils sont vraiment beaucoup là. C'est tombé. Alors, le colon. Hop, tu vas éliminer. Toi aussi. Toi, tu vas y récupérer du bois. Hop, alors vous. Mettez-vous là, parce qu'on risque de se faire attaquer. Ok. Ah, qu'est-ce que tu fous là, toi? Va au bois. Un autre bois. On va mettre engrais artificiel, histoire que ça aille plus vite au niveau de la nourriture. On va améliorer tout ce bordel. Et il va me falloir plus de plus de villageois quand même. Ok, ok. Alors. Attends, je vais remettre. Voilà. Ok, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? On va mettre des unités, on va prendre les Ulan. Hein. Hop, ça devrait aller. Est-ce qu'on pourrait pas les aider? Parce que là, ils sont vraiment plus beaucoup. Allez, go. On va les aider. Ah bah non, bah non. Ouais. Laissez tomber là, parce qu'on va se faire attaquer. Il casse tout. Voilà. Donc là, c'est bon. Alors vous, on va vous mettre ici, parce que de toute façon, on a un canon lourd ici. Il vaut mieux le laisser en canon lourd. Ok, j'ai pas assez de bois, tout simplement. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Va au bois. Alors, des piquiers, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai, moi? J'ai des bellicistes, hein. Non, mais c'est l'âge 4 pour les gardes bellicistes. Est-ce que j'ai pas des mousquetaires? Si, je crois que j'ai des mousquetaires. Hein. Nouvelle vague de Cherokee en vue. Eh, merde. Boum. Voilà. Normalement, c'est de la cavalerie, ça va très très bien contre l'archerie. Une fois que c'est dans les rangs. Alors, alors... Oh, ça rime. Enfin, c'est la même chose. Je vais avoir besoin... Toc, on va demander un Focono supplémentaire. Hop. Un Focono. Qu'est-ce que j'ai demandé? Ouais, c'est ça, c'est un Focono. Ok, ok, on se calme. Ils sont combien là? Qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oh là 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 là. Ouais. Boum. One shot. Alors de ce côté là c'est bon. On va revenir en arrière. Wow. Pas touche à mes colons vous. Toi tu vas faire buter, ça continue. Voilà, ça y est, c'est bon. Ok, toi on va te réparer. Tiens, viens là le chien. C'est trop tard. Ils ont détruit le village. Ouais, je sais, ils ont détruit le village. Et là, ils vont arriver en masse. On va faire descendre ça parce que là. Wow. Ils ont pété mon
mon avant-poste. Ouh. Ils sont combien là? Attendez. Ah, j'ai pas assez de voix. Oh la vache. Tout qui sortent leurs canons, eux. Ça, c'est pas normal. Ok, j'ai perdu énormément d'unités. Et c'est le gros caca. J'ai pas du tout assez de bois. C'est le gros caca, c'est le gros caca. Oh, j'ai pas assez de bois, j'ai pas assez de bois. Oh, et puis il continue d'attaquer. Oh là 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 là. Voilà. Allez, go. Normalement, avec toute l'artillerie que j'ai. Oh là. Des problèmes de colons là. Emmenez-les à la colonie. Les Cherokees sont juste derrière nous. Ils vont nous tuer. Ouais ouais, deux secondes. Ok. On va faire ça correctement. Donc déjà, hop, au bois, à la mine. On manque deux. Quoi? Allez, deux secondes. Que les colons combattent avec nous. Donnez-leur des armes. Et voilà une milice. Voilà, la milice. C'est un petit peu tendu, désolé si je parle pas beaucoup. J'ai quelques problèmes d'attaque. Oh, pff, ça continue en plus. Ils sont combien là? Oh là 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 là, le canon lourd là, il m'embête un peu quand même. Voilà. Vous. Venez par là. Voilà, ça, ça avance bien. Je chaîne encore... encore 5 minutes. Ils attaquent encore quoi. Ils sont combien hein? Ah là là. Je demandais des colons encore, hein. De toute façon j'ai que ça à faire. Pas assez d'or. Quoi, 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 quoi? Encore des colons. Emmenez-les. Seconde. Hop, excusez-moi. On revient. J'ai eu quelque chose à faire. Oh là 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 là. Trop d'unités, trop de monde. Faudrait des engins de siège tout simplement. Ok. Hop, ici. Là-haut. Voilà. Encore. Emmenez-les à la colonie, vite. Non, non, non. Tu es pas mes colons là, non? Que les colons combattent avec nous. Donnez-leur des armes. Et voilà une milice. Voilà. Ready.
Faut que je tienne encore 3 minutes. Ça va être 3 minutes de galère quand même. Hein. Où sont les renforts, John? Les renforts vont arriver. J'espère qu'ils vont arriver, ouais. Parce que là, c'est un gros caca. Voilà. Vous aussi, venez là. On va faire des unités. Pas assez d'or. Attendez, est-ce que j'ai des colons en demande? Ouais, j'ai des colons en demande. Faut que je construise un bâtiment pour construire des unités de siège. Enfin, des faux conos, genre de trucs, parce que là, on va pas y arriver. Ou alors, tout simplement, si j'améliorais mes unités... Ah, mais j'ai pas assez d'or. Ah, bah ça va. Ça va aller déjà un peu mieux. Par contre, je suis un peu à l'étroit dans cet endroit, quand même. Ouais, mais non. Encore des colons. Emmenez-les à la colonie. Les Cherokees sont juste derrière nous. Alors, toi, tu vas faire buter. Emmenez-les à la colonie, vite. Non, mais... Les machins, vous êtes faits pour aller taper sur le canon lourd. Voilà, ça y est. Rentrez à l'intérieur. Ils sont en train de se faire buter. Que les colons combattent avec nous. Donnez-leur des armes. Et voilà une ministre. Une 14. Il me reste 1 minute 14 à tenir. Oh là 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 là. C'est le bordel. N'importe quoi, il me reste 45 secondes à tenir, ça devrait aller. J'aurais dû améliorer ça de toute façon en fait. Ça normalement, ça paye bien au niveau de l'activité. Ok, on a gagné, mais c'était juste. Non, vous... Voilà, vous restez à la bouffe. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ah, si tu récoltes, j'ai cru que t'étais allongé par terre. Je comprenais pas. Ah là là. C'était la grosse galère. Ça y est. C'est réussi. Les renforts sont arrivés. C'est tout comme renfort? Tiens, il y avait plein plus de Cherokee que ça, hein. Des Jäger, chasseur en allemand. Merci Pacific Rim. Alors, que je vous conseille d'ailleurs comme film, il est absolument génial. Donc, on a réussi. Est-ce qu'on a des nouvelles cartes? Oui, c'est une nouvelle carte disponible. Bon, les 4 villageois, hein, obligatoire ça. Le bois, forcément. L'or, forcément au cas où. Ouais, ça on s'en fout. Militaire, militaire, si c'est important ça, les militaires. Regardez si on n'a pas d'autre chose ailleurs. La chasse, que de bébé, non, on s'en fout. Le bois plus vite. Le bois plus vite, à la limite, ça peut bien m'aider. Faudrait que je... Ah, ça fait 20 minutes. Attendez 2 secondes. Faudrait que j'augmente le fort. Niveau 10 requis. Bon, j'ai pas encore le niveau 10. Bon, allez, un petit dernier avant qu'on se quitte. Eh ben... Allez, hop, les deux fauconos, parce que j'avais besoin pas mal d'unités de siège. Bon, bah là, on est bon. Normalement on est bon. Bon, bah j'espère que ça vous aura plu pour un premier épisode de cet acte 2. En tout cas, ça a été un peu galère quand même. Hein. La reprise a été un petit peu dure. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous!